Salut à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Le JT Vert Plus avec la direction de l'environnement sur TNTV. Savez-vous que depuis 2002, notre Fénois est le plus grand sanctuaire protecteur des requins au monde? Et cette protection est essentielle car partout à travers le monde, on estime qu'entre 63 et 273 millions de requins sont tués chaque année, principalement pour récupérer leurs ailerons. Ne parlons pas des chasses dites préventives qui font suite à des accidents impliquant des requins. Pourtant, le requin n'est impliqué que dans une dizaine d'accidents chaque année, comparé au moustique qui, avec la malaria, est responsable de 725 000 décès par an, ou encore l'homme lui-même, responsable de 475 000 morts chaque année. Il reste tout de même un animal sauvage, il faut donc garder ses distances. Leur rôle dans la nature ? Réguler les stocks de poissons et de mammifères marins en éliminant les individus vieux ou malades. Ils permettent ainsi de limiter la propagation des maladies et aident à renforcer la génétique des animaux. Au Fénois, on peut observer une vingtaine d'espèces de requins. Ils font ainsi partie de notre patrimoine naturel et culturel auquel nous devons le plus grand respect.